garçon. Alors, 3, 2, 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et de retour avec vous sur les Jeux de la Place des Grands Hommes à Montpellier pour suivre ensemble la deuxième partie de l'Odyssée des Champions, ce tête-à-tête imaginé par les organisateurs montpelliérains pour opposer 12 champions du monde aujourd'hui en tête-à-tête sur les Jeux de l'Odyssée, une partie que... On va avoir le plaisir de commenter, Gilles Bertolo et moi, entre deux légendes, Gilles. Ah oui, c'est vrai. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Effectivement, les deux légendes, Jean-Marc Foyot qu'on vient de voir, Marco Foyot et Christian Fazzino. Ah. Donc alors, on peut garçons, là, les deux derniers finalement des Mohicans, puisque ce sont les deux derniers joueurs de cette génération capables de jouer à haut niveau. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont toujours présents hein, sur le circuit. Et je pense que bah, ils étaient en plus associés, coéquipiers à la grande finale PPF. Hein, oui, et ils seront associés en fin de saison. Ils ont commencé la saison ensemble, ils la finiront ensemble, hein, parce qu'ils feront le championnat d'Europe vétéran tous les deux. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, une partie qu'on prend à la toute première main ouais. Qui s'achève avec peut-être 2 points pour Marco Foyot sur cette reprise manquée de Christian Fazzino. 2 premiers points pour mener 2-1 face à Simon Cortez. Bon, en tout cas, on le disait, des joueurs qui sont toujours capables de jouer au sein de l'élite. Mmh. Et puis, une partie où on ne devrait pas s'ennuyer non plus, Gilles. Non, je crois que... 5-0 face à Mikey Molinas. C'est vrai que Marco, il profite, je pense, de ce type d'événement pour se lâcher un petit peu. Enfin, le naturel est toujours là, mais c'est vrai que dans les autres parties, il se retient, tandis que là... Donc il devrait y avoir du spectacle sur ce tête-à-tête. Alors on regarde, on mesure là pour savoir si Marco Foyot débute de la partie 1-0 ou 2-0. Ouais. Alors l'arbitre Jean-Luc Fuentes. Calé de la Cale, 2 points. 2-1. Alors c'est 1 point. C'est 1 point. Eh ben 0. Alors une partie qui, comme les autres, va se dérouler en 45 minutes. Oui. Le gagnant, quel que soit le score d'ailleurs au bout de 45 minutes, même s'il y a une égalité... Enfin, plus une main. Plus une main, ah oui, c'est ça. Voilà, donc, pour effectivement la première partie c'était 45 minutes sec. Là, les joueurs ont demandé à ce qu'on ait une main supplémentaire une fois le coup de sifflet donné. Alors autant pour moi. Mais effectivement, il peut très bien y avoir égalité, même avec la main supplémentaire. Puisqu'il va y avoir 5 parties, 2 poules de 6. Et là, un super à point de Marco Foyot. Alors, très bien tiré de la part de Fazzino, mais vous l'avez vu, la boule est sortie. Ça va être à lui de rejouer. 1-0 face à Christian Fazzino. Les deux boules étant sorties, c'est donc à Christian Fazzino de pointer. Christian Fazzino qui a perdu sa première partie à 12 contre Calé de la Cale et qui se plaignait de justement qu'il n'avait mal pointé. Et Marco Foyot qui a également perdu sa première partie, lui face à Bruno Le Boursicaud. Alors, tout à l'heure, ah ça y est, alors on n'a pas mis les micros, donc on va essayer de vous, résumer ce qui se passe. On commence à se brancher un petit peu, hein, de part et d'autre. 7-0 face à Mikey Molinas. Notamment parce qu'apparemment, Foyot... à bouche à un trou supplémentaire. Puis il a Foyot a décidé de pointer. Alors peut-être qu'il a changé d'avis, on va voir. Alors, voilà, oui, il a changé d'avis, c'est cadré. C'est cadré, oui, effectivement, il a sorti. Alors on se demande pourquoi il a bouché le trou alors qu'il a tiré plein. Alors, ils se reprochent apparemment leur donner l'autre, mais on a quand même affaire aux deux meilleurs pizzaiolos du circuit, quand même. Ah oui, oui, je pense qu'effectivement, de ce côté-là, ils vont pas nous apprendre les recettes. Hein. Allez, l'occasion d'aggraver le score pour Foyot. Ah, c'est manqué. Pas droit. Eh ben, partout. Une partie qui se déroule dans la bonne humeur. Oui, ouais, bah ça. Pas droit et court. Alors, on va mesurer peut-être la longueur à la demande de Marco Foyot. Alors, je sais pas si le score sera très lourd dessus les 45 minutes quand même. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, je ne vais pas dire qui, mais ça sera 3-3 au bout de 45 minutes. Alors, 10 m 10 pour Marco Foyot, 9 m 50 pour Christian Fazzino. Marco Foyot qui dit à Jean-Luc Fuentes, tu devrais rester sur ce jeu. Oui. Ils vont le réserver que pour eux. Jean-Luc Fuentes, arbitre international. Chez les filles, victoire d'Anaïs Lapouche et Sandrine Erlem qui ont trouvé l'énergie. C'est bon. Ça sera 9 m 80. C'est-à-dire exactement entre les deux mesures de Fazzino et de Foyot. Alors 9 m 80, ça c'est la distance de Fazzino. Hein. On sait que toute leur carrière, ces deux garçons se sont partagés les distances. Hein. La distance de Foyot c'était 6 m 50 et puis la distance de Fazzino c'était 9 m 80. Au terme, il mène de 3 points pour le Boursicaud. On est également à la mi-partie. 7 à 4 face à Simon Cortez. Ah ouais, puis l'heure d'entrée, là, il a mis un témoin. Hein. Ah ouais, à cette distance. C'est toujours un petit peu difficile là, pour des vétérans. Oui, ils sont... Sinon Marco Foyot, un partout. Dylan Rocher mène 7 à 2 face à Calé de la Cale. Premier point pour Mikey Molinas, Claudy Weibel, 7 à 1. Tyson Molinas, 1 point, 9-3 face à Henri Laporte. Mais c'est repris. Oh là là là, c'est il a choisi de pointer, il a fait un point extraordinaire. Alors que sur le nombre de joueurs, je pense que 99 sur 100 auraient tiré. Ah oui. Et là maintenant, bah, c'est à Christian Fazzino hein, à lever le bras. Oh là 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 là, quelle partie! Une partie qui démarre sur deux très hautes bases. Ah ouais, comme quoi on peut plaisanter, mais on ne plaisante pas avec les boules. Hein. Mikey Molinas, 3 points, Claudie Lebel, 7-4. Tyson Molinas, 1 point. Alors, c'est très fort ce qu'a fait Marco Foyot dans sa première, mais il va falloir le faire plusieurs fois. Ouais. Alors ça, c'est encore plus difficile. La 14 contre la 5. On va voir s'il confirme. Ah, c'est pas passé loin. Ah, ouais, c'était bien joué. Il pouvait embarquer un petit peu le bouchon. Ouais. Ou faire appui sur le carreau à Fazzino. Ouais. Auderef mène à l'avantage de Calé de la Cale. Un point Dylan Rocher, 7-3. Alors. C'est encore envoyé très haut. Ah, c'est encore bien joué, mais il y a toujours 2 points pour Fazzino. Ouais. Et l'occasion pour le joueur du siècle, du 20e siècle, de faire un premier petit break dans ce match. Eh ben, c'est fait. Très très belle mène là. 3 belles boules, 2 bons appoints et un superbe carreau à 10 mètres hein, parce que le maître était là, le décamètre de l'arbitre. Et ben 4-1. Et on continue. Ah, cette fois, il risque de pas être bon. En tout cas, je crois qu'il lui dit mais faut pas envoyer si loin. En tout cas, moi je crois qu'on connaît les favoris quand même pour le championnat d'Europe vétéran. Bah, c'est vrai que avec Michel Briand et Rivière, hein, ça fait une belle cadrette. Hein. C'est encore super bien entamé. Ouais. Il ne laisse pas du tout d'espace au Fazzino pour l'instant, en jouant très loin, en faisant des très grosses entames. Alors, est-ce qu'il va continuer à... Ah oui. Ouh là là, il se met en difficulté là. C'est un petit peu basse la boule de Marco parce qu'elle aurait pu cochonner cette boule. Hein. Ah ouais, je pense qu'il avait la force hein, pour... Il est tamponné, du coup les boules ne sont pas collées, ça devient... On ne peut même pas tirer à la sienne. Ouais, parce qu'il risque d'enlever la sienne seule et... c'est peut-être regagné. Ouais. Là par contre on ne se rend pas compte nous. Je sens qu'on va appeler M. Fuentes. Non, c'est pas la peine. Fazzino a reconnu que le point n'était pas à lui. Et c'est intéressant de savoir si la fédération leur a concocté un programme pour ses vétérans avant le championnat d'Europe. Est-ce qu'il va y avoir des sports? Est-ce qu'il va y avoir des massages? Ah, c'est frappé un con. C'est compliqué pour Foyot qui a choisi de pointer sur ses entames Fazzino. Ça fait 2 fois qu'il arrive à gagner ce point. C'est déjà fort, mais ça va être compliqué de le refaire. Hein. Ouais, on a vu en bas, il s'est perdu après 2 fois, après un très très beau point. Là, il va tenter. Oh, c'est bien joué encore, il a regagné. Ah ouais. Oulala, elle volait trop bas, Gilles. Hein. Ouais. Et un petit point pour Marco Foyot qui réduit un petit peu le score. Ouais. Il était bien droit. Fazzino, 4-2. Il était bien droit, mais court de 40 cm au moins. Une mène qui est restée à la défense. Eh oui. La cale d'un point, Rocher 7-4. C'est un peu mérité quand même, hein, parce qu'il fallait le faire gagner. Ah ouais, 2 fois le gagner comme ça, là, à cette distance. Et du coup, un bouchon. Alors, du coup, qui est un petit peu plus court, mais qui ne doit pas être bon. Belle mène à l'avantage de Weibel. 11-4 face à Mikey Molinas. Ah, voilà, ça, on est pour le mettre un petit peu plus près de la. Il est certifié. De perte. Le Boursicaud 2 points. 10. Ah, et Foyot mord le bouchon, hein, ça. Non, il a intérêt à mon avis. Ouais. Voilà. Ah. Un point 12-5 face à Henri Laporte. Il regarde au travers. Ah bah, je crois qu'on va s'acheminer vers. Enfin. 3 tirs, éventuellement. Ah, déjà, on va voir le deuxième. Voilà. Alors, il n'y a qu'un seul point pour Fazzino, ça boulet sorti. Ah, c'est échappé la boule de Foyot. Alors, même s'il a gagné, je pense pas que Fazzino veuille tirer. Hein. Bon, je pense qu'elle est partie. Ouais. Je pense qu'elle est partie, que ça va faire 2 points. Alors, il aurait pu les perdre, les 2 points, Marco Foyot, sur un carreau de Fazzino. Mais là, il fallait le faire. Ce sera plus facile pour Christian Fazzino, là. Hein. Voilà. 2 points au compteur de Dylan Rocher, 9-4 face à Calé de la Cale et victoire de Bruno Le Boursicaud, 13-7 face à Simon Cortez. Bruno donc vainqueur de ses 2 premières rencontres. Christian Fazzino 2 points, 6-2 face à Marco Foyot. 6-2, c'est bien ça, hein, donc... Il avait échappé sa boule. Ah, il va être content là, Foyot là. Le jeu s'est raccourci. Fazzino qui ne relâche pas son étreinte. Ah ouais. Ah, et cette alors, fois, là, on est un petit peu plus près. Hein, ouais. Donc, ouais, donc c'est peut-être plus facile pour Marco Foyot là de tirer. Tyson Molinas, à cette distance. Face à Henri Lacroix, Claudie Lebel, 11-5. Ah, bien frappé. La boule de Fazzino est restée, hein, dans le terrain. Ah, c'est repris. Ouais. Il y a 2 niveaux de cette partie, Gilles. Ah oui, c'est vrai que c'est amical, entre guillemets, mais sur le terrain, les boules sont jouées. Hein. Ouh là là, c'était pas tout à fait droit. Ah. Dans son malheur, entre guillemets, il a sorti la boule à Fazzino qui était au fond. Encore des petits soucis pour Marco Foyot sur cette semaine. Ouais, pourtant il avait fait une belle frappe. Hein, alors, d'entrée. Beaucoup de joueurs tireraient là pour n'en perdre qu'un. Mais là, c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Bah, on l'a vu bien faire une belle pâte à pizza. Ah, c'est bureau là, c'est embouchonné, c'est magnifique. Un point pour Henri Lacroix qui franchit à son tour la mi-partie. Tyson Molinas à 7. Mi-partie franchie également pour Mikey Molinas, Claudy Lebel, 11 à 8. Alors tout a démarré. Et il en fait deux, Foyot. Pour Foyot. Puisque vous l'avez dit, la première boule frappée par Fazzino n'était pas sortie du cadre. Ouais. Donc celle-ci non plus. Les deux boules en fin de cadre marquent. Marco Foyot, 2 points. Allez 6-4. Et ça s'équilibre un peu avec 6-4 simplement pour Fazzino. Eh oui. C'est la deuxième boule tirée par Marco Foyot. Où il s'était trompé de boule, mais du coup il était venu percuter celle-là à Fazzino là au fond du rond, au fond du jeu pardon, et du coup il est resté en même temps, donc il profite. Foyot qui joue en défense hein, dans cette partie, et ça fait deux fois que ça paye. Allez, là, par contre, il a choisi sa distance privilégiée, 6 mètres 50. Alors, que va faire Fazzino? Est-ce que il va partir à l'attaque? Non, apparemment. Deuxième victoire pour Tyson dans cette Odyssée des champions. Alors, les deux boules sont sorties. Et voilà, immédiatement, la boule a été pointée, et très très bien pointée d'ailleurs. Alors, une chance peut-être de revenir là dans cette, cette main pour Foyot. Voilà, c'est frappé, mais ça ne suffira pas. Non, un peu court la frappe. Le 12e point pour Claudy Weibel, 12 à 8 face à Mikey Molinas. Ah, ça c'est pas mal joué parce qu'il a fait. Il va choisir, donner le choix à Fazzino entre faire un point en pointant ou essayer de faire deux. Ah, il va pointer. Oui, bah je pense que. Ouais, c'est une boule qui est un bon mètre derrière le bouchon. C'est pas une boule appétissante à tirer. Voilà, c'est fait pour Fazzino qui se rappelle ce que disait Albert Pisapia, il vaut mieux une sardine sur le pain qu'une grive qui vole. Ben voilà, donc, effectivement. Eh ben, mi-partie hein, pour Fazzino, 7 à 4. Puis Christian Fazzino qui a construit beaucoup de succès en tête-à-tête sur sa connaissance sur ce jeu à 3 boules. Là, c'est qu'un point, c'est un point. Hein. Ah oui, oui. Que quand on a 3 points d'avance, on est pas mal en tête-à-tête. On peut gérer. Pour aller chercher midi à 14h. Alors à nouveau 9 mètres 50, 10 mètres, il s'est positionné, on va vous le montrer en fin de, en fin de cadre, pardon. Voilà, vous le voyez. Et encore une entame de Fazzino. Ah, ça c'est sa griffe, ça c'est sa marque, hein. C'est gros points d'entame à 10 mètres, il l'a fait toute sa carrière. Ça y a valu beaucoup des premières boules là qui. Et bon, tout à l'heure là. Non, ben là, cette fois. Alors, c'est frappé. Les deux boules sont sorties. 13 à 8 face au champion du monde, tête à tête, Baïti Molinas. C'est bien pointé derrière encore. Dylan Rocher qui s'impose 13-4. C'est un affrontement de joueurs, mais c'est pas, on le sait hein, depuis très longtemps, mais c'est deux joueurs extrêmement complets, ils sont capables de montrer dans les tous les compartiments du jeu. On se régale. Ah oui. Ah, alors c'est un petit peu court. Ouais. Un petit peu court. Et toujours là. Un très bon point, même s'il a un petit peu bougé. Là c'est un point de 25 cm. Joël, c'est regagné. Nous mettions au jeu la deuxième partie des filles. On peut prévoir d'arroser les terrains maintenant. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien clairement hein, sur votre écran. C'est quand même pas un jeu où on peut facilement faire des reprises de ce genre. Hein. Ah c'est le bouchon. C'était un petit peu court, ça sera point pour personne dans cette personne, voilà, ouais. Est sorti sur le tir de Foyot. Plus de boule en main, donc pas de changement au score. Foyot, il lui dit envoie le bouchon. Fazzino mène toujours 7-4. Alors Marco Foyot essaie de persuader Christian Fazzino d'envoyer près. Ouais. Voilà. Yeah. Foyot qui dit à Fazzino, hey, on est vieux, joue court, je te promets, tu joues près, moi je jette près. Voilà, et Fazzino, non, il n'entend pas cette oreille. Hein. Ah, bah du coup celui-là il n'est pas bon. Il est arrivé un petit peu l'embrouillé. Ah. Foyot là qui en a profité hein, de l'espace laissé par Christian Fazzino. Ah. Ah, alors là, une vraie occasion hein, pour Foyot de revenir à cette partie. Revenir, effectivement, là, court et pas droit là pour Christian Fazzino. Marco Foyot est arrivé avec des boules entièrement neuves hein, sur cette partie. Ah ouais. Ah. Oh là là, alors là il y a de la place pour ajouter. La mauvaise main là, hein, de Christian Fazzino là. Eh ben, alors on va pas de mauvaise langue, hein. On va faire une relation de cause à effet avec le fait qu'il y a eu un petit speech de Foyot juste avant. Ça déstabilise toujours un petit peu. Déconcentre en tout cas. Donc, pour déstabiliser Fazzino, il faut plus que ça, je crois. Oui, je pense qu'effectivement, il y a du métier, de l'expérience. Peut-être qu'il a perdu un peu de concentration au passage. En tout cas, si Marco Foyot rajoute encore ce point, ça fera une égalité. Hein. Ouais. Ouais, mais Alors, attention, parce qu'il a touché un petit peu le bouchon au passage. Ça peut peut-être lui coûter un point. Non, c'est 3 points. 3. Eh ben oui, bah, c'est payé cash. Hein. C'est payé cash, là. Et... 7 partout. Le choc qu'on attendait a lieu, Gilles. Bah oui. Allez, Marco Foyot au bouchon. Bouchon qui ne va pas aller très loin, à mon avis. Ah, bah si. Ah, ouais. Il doit être un. Ah, on va me faire mesurer d'ailleurs par M. Fuentes. Il est pas un mètre donc. Alors, M. Fuentes qui dit à Marco Foyot qu'il n'y a pas un mètre. Il a 90. Sur la ligne du fond, oui. Il a 90. Et donc, c'est Christian Fazzino qui va choisir l'emplacement du bouchon. Alors là, c'est le monde à l'envers, hein, parce que Foyot a jeté le bouchon à 1,50 m et Fazzino le met à 8 mètres. Oui. Oula. Là, je sais pas si vous voulez faire une radnique ou je sais pas, non? Foyot n'a pas essayé de tirer, mais comme Fazzino n'a jamais écouté personne. Oui, c'est le temps maintenant qui va commencer. Et il a cadré, mais bon, il lui manquera une boule. Exactement. Difficile de marquer quand même pour Foyot. Hein. Ouais, là. Ah oui, c'est la dernière partie. Étonnant. Toutes les autres parties sont terminées. Ah, il a laissé un peu de place devant. Il a laissé un petit peu de place à Foyot là pour reprendre. Hein. Foyot qui est allé consulter l'arbitre parce qu'il a demandé où en était le temps. Et une boule parfaitement positionnée. Ouais. C'est dans l'axe. Hein. Ah, d'ailleurs, Fazzino fait. Elle ne fait pas un vice de boule, Fazzino. Ah, si. Parce qu'il y a. Vous le voyez sur la gauche de votre écran, là, il y a la troisième boule de Foyot. Ça veut dire que si la contre sec, perd 3 points, Fazzino. Ouais, c'est bien pris sur l'oreille. Eh oui. Hein? Fazzino qui l'a tiré par l'oreille la boule et qui a dit à Foyot, t'as vu? Parce que Foyot il espère un contre effectivement. Ouais. Alors il demande à nouveau à Fazzino d'envoyer prêt. Voilà. Et voilà ce qui se passe. À 18h30. Troisième tour chez les messieurs, 19h30, une démonstration de tir de précision lyonnaise, donc sport boule et pétanque, avec 3 champions de pétanque et 3 champions de lyonnaise qui s'exerceront dans 2 jeux. Et à 21h30, les parties 4 et 5 pour les garçons et troisième et dernière partie pour les filles. Alors Fazzino Foyot avait d'abord dit que le bouchon n'était pas bon, et puis finalement il a mis un coup de pied, et bien, il dit qu'il est bon. C'est pas le... Avec ton onduleur. Ah, il est long. Il est long, Christian Fazzino, là, sur sa première boule. Du coup, une boule de Fazzino qui se retrouve au moins 80 derrière le bouchon. Ouais, elle a bien roulé derrière, hein, donc bonne opportunité, là, pour Marco Foyot. Oh là là, elle a roulé aussi celle-là. Vas-y, ils ont dit, je t'avais montré que ça roulait. En tout cas, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, Gilles. Hein, oui. Maintenant, il a rendu le bout, le Foyot. Ah, et puis derrière et tout, donc... Oh là là, elle a pas roulé. Ça a failli, hein. Bah, heureusement qu'il y avait la boule de Fazzino, hein. Ouais, pour le tenir, parce que sinon, il perdait de nouveau le point. Là, Foyot qui donne des conseils à Fazzino. Ne joue pas là, tu vas le perdre. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là-bas? On les avait fait faire des points de 20 cm pendant toute la partie et tout d'un coup... Ah ouais, là... Il y a une baisse de régime. Ouais, mais là, du coup... c'est... Du coup, c'est une mène de 8-8 ou plus pour Marco Foyot. Alors, déjà, il faut reprendre, c'est fait... Et maintenant, c'est une boule pour revenir à hauteur. Ouais. Et donc, même si le timer se déclenche, c'est l'assurance d'avoir, de pouvoir tenter de gagner cette partie. Alors, il faut la frapper déjà. Hein. C'est fait. C'est bien poussé. C'est bien poussé. 8 partout. Alors qu'on vit peut-être la dernière mène, hein, parce qu'il reste 4 minutes dans le temps imparti. 4 minutes, ça fait à peine 2 boules jouées cette partie. Hein. Oui, surtout si on doit mesurer déjà le bouchon et ainsi de suite. Allez, et encore un bouchon qui s'immobilise à moins d'un mètre de la ligne de fond. Alors. Donc, je sais pas si c'est la peine qu'il mesure, Marco Foyot, parce que... Et c'est Fazzino qui choisit le placement du bouchon. Parce qu'il était vraiment très long. Ah, c'est surprenant parce que Foyot il le voulait bon, alors qu'il était à 11 mètres. Bah oui, c'est la même histoire que tout à l'heure. En tout cas, c'est bien entamé. Ah oui, là c'est bien pointé. Alors, on n'est pas très loin là, Gilles, donc ça se pose un petit peu, mais en tout cas, une bonne entame, c'est une bonne entame, hein, tête à tête. Ça paye souvent. Oh là là! Bien tiré! Un petit là! On s'amuse beaucoup à cette partie. On s'amuse beaucoup, mais on s'amuse beaucoup. Ah oui? Alors, malheureusement pour vous, c'est du cinéma muet, puisque. Oui, ils n'ont pas de micro. Pas des micros là sur Marco Foyot et Christian Fazzino, mais en tout cas. Une belle partie à l'ancienne. Ouais. Je sais pas s'il veut pas tirer le bouchon, Foyot. Ah, il faut faire quelque chose en tout cas. Ouh là là, c'est tout manqué. L'antenne de 3 points pour... Christian Fazzino. En tout cas, Marco Foyot qui a joué très vite, c'est parce que pour qu'on passe à la main suivante, hein, parce qu'il sait qu'il a encore une chance. Ah, c'est un escroc, Foyot. Et il dit à l'arbitre, ouais, il doit être pénalisé parce qu'il n'a pas joué ses boules. Et M. Fuentes lui dit, bah ouais, mais c'est à votre demande. On aura droit encore à, enfin, peut-être à deux mènes, hein, puisque dernière mène plus une. Tout ça, en tout cas, dans un bon esprit. Hein, oui, qui, ah bah, je pense qu'ils en profitent. Il y a du monde autour. Ils sont filmés par Boulistonaute. Donc. Ah oui, déjà beaucoup de monde là, qui se régale d'avoir cette partie. Le showman. Alors, à mon avis, avec la 5e partie, il va quand même falloir que Foyot arrive à inscrire aux 3 points dans cette semaine. Et ça va être compliqué, ça va l'obliger à tirer. Alors, ça c'est pas mal parce que il a cadré, il n'a pas fait carreau, donc il oblige Fazzino à pointer à nouveau. Ouais. Je crois que M. Fuentes va siffler la fin. Alors il va encore devoir tirer, Marco Foyot, il va encore devoir... Donc fin du temps réglementaire, donc on termine... Et le cas échéant, une mètre supplémentaire. Voilà, c'est bien ça, Gilles. Le temps est écoulé. Il va falloir absolument que Marco Foyot parvienne à faire 3 points dans la main pour pouvoir bénéficier d'une main supplémentaire. Non, c'est cette main-là plus une main supplémentaire. Ah, pardon. Donc, même, voilà, à moins que Fazzino fasse 13, bien évidemment. Hein, mais si Fazzino n'a pas 13. Oh là là, c'est bien tiré. Là. Il y a un débriefing après chaque boulot. En tout cas, ce genre de partie, ça vaut le coup de regarder le public parce que tout le monde a le sourire. Hein. Ah oui, mais il va tirer de toute façon. Oui, mais se cacher en fait, Fazzino. Au final, non. Il y a obligatoirement une manne supplémentaire. Oh, c'est très bien tiré, c'est 3 points pour Foyot. Voilà, Christian Fazzino qui applaudit. Et bien, 11 partout, et dernière mène là. Et donc, cette fois, dernière mène. Et là, c'est la dernière mène, donc... Alors, si le but venait à sortir, c'est terminé maintenant, le sud de cette mène, Gilles. Hein, celui qui marque gagne. Vous pouvez faire match de cul. Allez, dernière manne. Voilà, donc il y a 2 protagonistes qui pouvaient faire match nul ou choisir de continuer, évidemment. Évidemment, ils choisissent de continuer. Monsieur l'arbitre, nous allons mettre en route la 2e partie chez les filles. Donc, Isidoro Picard face à Lapouge Erlem, terrain C, Nero Chop, Colombé, Bandera, terrain E, Rodriguez, Pourio, Maillard, Vierge, terrain G, et Sarda Perrault, Le Bossé, Lové, terrain J. c'est faut faire quand même. Je suis arrivé avec des boules toutes neuves, 0 km. Alors. On va ici, nous. Alors, ça fera 9,70 m. Oh, c'est pas trop parce que du coup, je pense que Fazzino avait dû prendre un peu de. Et ben 11 partout, dernière main de toute façon. Alors, on savait que cette partie ferait plus de 45 minutes, ça s'est fait, Gilles. Oui, voilà, déjà. Par contre, bon, il y avait eu un 3-3 d'annoncé, ben non, quand même, là, c'est 11-11 quand même. Chez les filles, mise en jeu du deuxième tour. Oh, c'est encore très très bien entamé. Et là, c'est Foyot qui met un peu de pression à Fazzino sur cette boule qui est très loin, hein, on le rappelle. Avec obligation, on rappelle aussi de frapper au fer, hein, parce que 22 c'est manqué. Hein. Ah oui, là il faut vraiment être pleine tête. Hein. Bon, c'est parfait. Elle est de bonne sortie. Bien frappé, mais voilà. Il a failli garder la sienne en jeu, Fazzino. Ça s'est joué à quelques centimètres. Et ça peut changer le cours cette semaine. Ah oui. Mais bon, on a vu Foyot là-bas faire 3 belles frappes la main d'avant. Enfin. Oh là là, c'est superbe encore. Hein. Ah ouais. Et Fazzino, oui, qui joue plus. Ça va si son point est bon. Il est à 25 cm le point quand même. Allez, bâtarde. Et tout le monde est venu voir cette partie. Ah oui, bah oui, n'importe comment. Ah, c'est une entreprise. Il a choisi de pointer Foyot. Ah, il peut faire un devant de boule. Hein, et... C'est très difficile. Hein, c'est très difficile. Ah, on est à 9,70 m. Le point est très bon. On s'est fait. Oh là là. Le boule s'est arrêté juste à temps. Alors la logique voudrait que Fazzino tire, mais c'est pas sûr. Si, il va tirer, il sait que son point est très 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 bon. Et en cadrant, il va obliger Foyot à regagner une autre fois. Il faut bien attirer cette boule. À peine pas droit, c'est la sienne qui casse. Ah. Et ben c'est la victoire de Marco Foyot face à Christian Fazzino à l'issue d'une partie où on s'est régalé, Gilles. Ah, oui, tout à fait. Parce que on s'est régalé par rapport à l'ambiance, mais on s'est régalé. On va peut-être passer une petite seconde avec ces deux joueurs-là, s'ils nous l'accordent, parce qu'ils nous ont fait régaler sur cette partie avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de complicité, et puis aussi et puis aussi un très beau niveau de jeu. Je vais les rejoindre pour le plaisir de rester plus peu avec nous. C'est pas évident de gagner. Ah, Dylan, viens là, Christian. Viens, Christian. On est bon là? Voilà, il nous fait le plaisir d'être un petit peu avec nous, Christian Fazzino, Marco Foyot, vous venez de vous affronter, là, on l'a vu à l'instant dans une partie où il y avait beaucoup de complicité, beaucoup de bonne humeur, mais beaucoup de beaux jeux. Hein, Christian Fazzino, comment se sent après une partie comme ça? Ben, pas bien, hein, puisqu'on a perdu, mais bon, on a fait ce qu'on a pu et on a bien joué. Il y a eu quand même du beau jeu. Marco a bien tiré, il a eu des boules importantes et moi j'ai eu la dernière qui était importante et je l'ai manqué, voilà. Ça s'est fait à la dernière mène, non mais bon, ça se passe bien, c'est le principal. On l'a vu, Marco, cette partie, il y a eu des difficultés à maîtriser cette formule de la partie au temps. Oui, bah parce que c'est, je pense que quand on se rend compte, c'est bien de jouer en 13. Bon mais je l'ai fait quand même marron parce que j'ai gagné 13. 13 à 11, la vieille canaille. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fourni cette partie où on s'est vraiment régalé. On a fait un petit canter pour les championnats d'Europe, mon petit Christian. On a prouvé qu'on était là encore, non? Allez, à plus. Voilà, on vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau choc ici qui va opposer Tyson Molinas à Claudy Weibel. À tout de suite. La Fédé, ils vous ont prévu des sports, des massages avant le mois de septembre, non?